Salut à tous, c'est George. Yes, I am. J'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite hybride fort sympathique pour le début de FIFA 18. En tout cas, ça sera ma première hybride, hein, je pense, fortement. Donc les gars, on commence avec Alban Lafont, 80 de général. Je pense que c'est largement mérité, hein. Dans tous les cas, il est titulaire indiscutable à Toulouse. Et c'est un jeune gardien vraiment très talentueux. Je l'augmente un petit peu dans toutes ses stats, ça en fera un très bon gardien, je pense. En défenseur gauche, j'ai mis Masuaku à 75 de général. Il avait déjà une très belle carte sur FIFA 17. Hein. J'ai pas bougé ses statistiques parce que je vais pas vous mentir, je regarde pas les matchs de West Ham. En défense centrale, Christopher Julien, 78 de général. Je pense que c'est largement mérité. Hein. Je lui ai mis plus 2. Il a fait une très belle saison encore avec Toulouse. Et là encore, c'est un très jeune joueur vraiment talentueux. Il a une super bonne carte. Ensuite, on passe à Marcelo, 78 de général. Il a été transféré du côté de l'Olympique Lyonnais. Il nous vient de Beşiktaş. Il a été top, il a fait une super bonne saison avec le Beşiktaş. Donc plus 2, 78, je pense que c'est mérité. En défenseur droit, Raphaël, 79 de général, je lui ai mis plus 1. Là aussi, je pense que c'est vraiment mérité, hein, parce que c'est un des meilleurs joueurs de l'OL, tout simplement. Je dis ça en tant que supporter lyonnais. Hein. En MDC, j'ai choisi Fabinho, 82 de général. J'aurais pu le mettre à 84, hein, ce serait que de moi, je l'aurais fait, mais c'est vraiment une prédiction, donc 82 pour Fabinho. En milieu gauche, Georges Kevin Nkoudou, je lui ai mis moins 1 parce qu'il joue quasiment pas à Tottenham forcément, donc du coup je vais pas l'augmenter ni lui laisser sa note, mais ça lui fait quand même une assez belle carte. Sur le côté droit, j'ai choisi Malcolm qui sera vers 80 de général je pense, et ce serait largement mérité. C'est vraiment un excellent joueur, très jeune, il a encore 19 ans il me semble, de très bonnes stats, et il aura a priori 5 étoiles de gestes techniques, alors ça c'est vraiment énorme. En MOC, j'ai mis Fernandinho, alors certaines personnes le voient plus comme un milieu défensif, mais regardez ses statistiques, il peut jouer vraiment partout. Je l'ai juste augmenté un petit peu dans toutes les stats, parce qu'il a fait une assez bonne saison, hein, comme d'habitude. Donc 82 de général pour Fernandinho. Pour le buteur, j'ai choisi Ahmed Moussa, 78 de général. Bon, j'ai pas bougé sa note, hein. Voilà, donc j'ai laissé Ahmed Moussa tel quel. C'est nickel. Et pour le deuxième buteur, Gabriel Jesus à 79 de général. Je pense que c'est largement mérité. Il a une très bonne carte, il est rapide. Il est juste pas physique, mais il a 5 étoiles de geste technique. Ça fait vraiment une très belle carte. Donc je vous montre l'équipe complète. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Moi je trouve vraiment que ça fait une très belle équipe. Et j'ai hâte de pouvoir jouer avec sur FUT 18. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup aux chaînes communautaires. Si elles me mettent sur leur chaîne, ça ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus comme d'habitude. Si vous venez tout juste de me découvrir, n'hésitez pas à venir vous abonner. Je fais pas payer, hein, c'est gratuit chez moi. Donc les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.